Salut à tous, c'est Macognon Minou. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle ouverture. Vous avez remarqué au tapis, c'est le tapis de l'ouverture. Donc c'est la deuxième vidéo ouverture carte Pokémon. La première a été postée il y a quelques jours et les retours sont plutôt positifs. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on continue. Alors aujourd'hui, dans la première, je vous avais dit que j'étais tombé, j'avais le malheur d'habiter dans une ville vraiment moisie, dans laquelle il était impossible de trouver des cartes Pokémon convenables, où je tournais aux anciennes éditions. Et ben, je tombe sur un magasin, un magasin dans une ruelle un peu. Je passe devant tous les jours depuis plusieurs années et j'ai jamais rentré. Et là, je vois dans la vitrine un booster, où je me dis, oulala, je vais rentrer. Je rentre et je tombe sur quoi? Sur les deux derniers coffrets, donc je vous les montre là. Si ça passe, hop, voilà. Donc, Dracaufeuex, les fameux boosters génération dont je vous parlais. Donc vraiment super. Mais je tombe aussi sur le dernier, enfin le dernier qu'ils avaient en stock en tout cas, Tortankex. Et je me suis dit, allez, tant qu'on est là, on ne repart pas les mains vides. Donc j'en ai profité, j'ai pris une petite box. Donc là vous la verrez pas parce que j'ai fait la bêtise d'empiler tous mes petits packs. Voilà, une box Mewtwo X. Donc j'ai ouvert déjà pas mal, mais vraiment beaucoup de Macogneur X, parce qu'on en trouvait beaucoup là où j'achetais mes cartes. Mais je n'avais pas de Mewtwo, j'ai ouvert une Léviator je crois. Mais j'ai vraiment beaucoup de Macogneur X. Donc je me suis dit, allez hop, une petite Mewtwo X. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo un petit peu pour chaque. Je vais commencer par un coffret. Ouais, je vais commencer par un coffret. Donc, je vais commencer par le Tortank X. Je ferai une autre vidéo pour la boîte et une autre vidéo pour le. Je vais finir par le Dracaufeu X. Voilà, donc c'est parti. Alors, je suis très content parce que, ouais, franchement, j'ai la grosse patate. En plus, je rentrais du boulot, j'avais chopé la crève, il pleuvait. Journée de merde. Et je tombe sur ces coffrets. Donc, c'est parti. On a dit le Tortank. Alors, c'est super classe parce que dedans il y a une carte géante. Et j'ai déjà quelques cartes géantes. J'avais les Kyogre et Groudon. Alors. Hop. Super. J'adore les coffrets comme ça. C'est tellement plus épique que les tripacks. Donc. On ouvre ça comme ça. Je vais essayer de sortir mon Tortank sans l'abîmer parce que j'aimerais bien quand même le garder pour la collection. Je trouve que c'est pas super ce qu'ils font, je trouve. On a vite tendance à pouvoir les abîmer ces cartes. J'ai pas envie de l'abîmer. Allez mon petit. Allez allez, voilà. Elle est vraiment superbe. Je vous avais dit aussi dans la première vidéo que j'adorais quand il y avait plusieurs Pokémon sur la même image. Et là, elle est vraiment sublime. Aqualie, Léviator, première gène, superbe. Ok. Après, donc, on a les boosters. Contrairement aux tripas qui sont pas scotchés, et ça, c'est cool. Donc, un Pikachu, un Florizarre, un Dracaufeu et un Tortank. Donc voilà, c'est les Pokémon emblématiques de la première génération. Ce qui est plutôt intelligent vu que c'est pour célébrer les 20 ans de Pokémon. Et la carte géante. Alors vu que mon installation de cadrage est pas géniale, je peux pas vous la montrer en entier, mais bon, vous voyez bien. Hein. De toute façon, c'est la même que la petite. Voilà, je vais la mettre sur le côté. Ça, on jette. Et donc, on a ces 4 boosters. 4 boosters. Alors bon, j'ai eu très peu de chance dans la première ouverture, on va espérer que dans celle-là, ce soit vraiment mieux. On va commencer par Florizarre, c'est Florizarre que j'aime le moins, en tant que starter. Alors, j'avais essayé de garder ces illustrations. Hop. Donc comme la première vidéo, n'hésitez pas, donnez-moi vos commentaires. Donc en commentaire, donnez-moi vos avis sur la façon dont est faite cette vidéo. Alors, hein. Alors je crois, je voulais juste regarder un truc. Je voulais juste regarder s'il y avait un code promo, mais visiblement je crois qu'il n'y en a pas dans ces boosters. Je sais pas si ça vaut le coup de faire les 1, 2, 3, 1, 2. On va regarder sur le premier booster. Donc là on a un Fantominus.
un Krabi, une énergie. Dans les premiers boosters, je me souviens quand j'étais petit que j'ouvrais les boosters édition de base, il y avait une énergie à chaque booster. C'était marrant. Donc là, on a un Raikou, un joli Pikachu Reverse, vraiment joli. Hop. Un Jirachi. Alors, il est bizarre. Il est vraiment bizarre parce qu'en fait, c'est une peu commune. Je sais pas si vous voyez. Elle est holo. Avec un joli petit. Je sais pas, la Voie lactée ou je sais pas, des étoiles. C'est super joli. Un Travelo Liputu. J'adore. En fait, je crois que c'est des illustrations. Alors voilà, moi j'ouvre à l'arrache. Voilà, je connais pas du tout les éditions. Je crois que j'ai vu une ou deux vidéos sur YouTube. Et je crois que c'est des. Ouais, c'est des illustrations qui sont déjà sorties dans d'autres séries. Parce que de toute façon, elle me dit quelque chose. Le Maconeur derrière, je l'ai déjà. Un petit tigri qui se fait bichonner. Excellent. Un Rappel Max. Un Spectrum. D'accord. Alors du coup, je n'ai pas eu de rare, je crois. Je revérifie. Non, d'accord. J'ai eu... Ah si, c'était l'Hippotou la rare, d'accord. Donc je pense qu'il faut faire le 1-2-3-1-2. Je le ferai pour les prochaines. On va aller avec Pikachu, vu qu'on l'a eu dans le premier booster. Du coup, je suis assez surpris parce que je voulais. S'il n'y a pas de code promo dans cette ouverture, ça sera un peu nul. Si, bien sûr, il y a la carte promo du pack. Du pack. Alors, je vous la montre. Hop. Voilà. Donc, on va essayer, hein, on va faire de toute façon. Voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête. Si c'est pas ça, c'est pas grave. Il n'y aura pas de gros suspense. Le fameux suc de nœud. Ah, elles sont belles ces énergies comme ça. J'aime beaucoup. Le Fantominus qu'on a déjà. Un joli Magmar. Alors, je suis désolé pour. Oh bah tiens, un deuxième Magmar. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo, hein, je filme avec mon iPhone. Pour l'instant, ça fait le taf. Et que des flammes en reverse, super joli. Kulbutoke, alors c'est vraiment le, ça c'est l'édition Travelo parce que c'est quoi une femelle. Alors j'aimerais que ça focus un petit peu quand même. Voilà. Ah c'est marrant, il y a un petit flow, hein. C'est rigolo. Assaut psychique, d'accord. Un super match chopper. Ouais, donc ça c'était... C'est quelle édition ça? Enfin, c'était dans le bloc XY, quoi. Le Melodelf. Le fameux Melodelf. Le Timmy. Alors, je sais pas c'est quoi ces petits... Si vous savez, hein, parce que... Moi, je suis pas un gros connaisseur des éditions. Donc, n'hésitez pas à me dire... qu'est-ce que signifient ces petits joyaux ou ces petits flots sur les côtés. Et un Tauros. Et ce Tauros, je me demande si c'était pas le, l'illustration de Jungle. Je crois, hein. Si, je crois. Bref, belle. Donc pour l'instant, hein, toujours pas du folichon, hein. Je suis peut-être un maudit des ouvertures. Allez, on va faire Tortank. On se gardera qu'au feu pour la fin. Oula, costaud le Tortank. Bon, je viens de vous spoiler un petit Fantominus, c'est pas grave, de toute façon on l'a déjà. Un, deux, trois, un, deux. Alors, le Fantominus. Krabi, j'adore ce Pokémon. Je le trouve super mignon. J'adore beaucoup. Alors, une énergie eau. On va finir par tout à l'heure les énergies, c'est cool. Le Raikou qu'on a déjà. Pikachu qu'on a encore. Oh, mais c'est le même booster, ça dit donc. Un petit tigri. Un Rappel Max, un Spectrum, et en fait c'est carrément le même booster. Ah non, Floette. C'est joli ce petit symbole. Ces cartes sont vraiment belles, hein. Je sais pas du tout ce que signifient tous ces petits symboles. Ça m'intrigue. Je vais faire une petite recherche sur internet. Et un Kikli en rare. Ok.
Le Dracaufeu. Alors on va mettre un petit peu. Hein, on va souffler dessus, ça porte bonheur. Allez. Hop. Eh ben dis donc, Polyoman. Ces boosters sont vraiment beaux quand même, hein. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime pas trop l'aspect 3D, mais d'habitude, mais là, ça rend bien, quoi. Ça fait vraiment classe. Hop. Alors, ce booster, je l'ai un petit peu défoncé, mais ça va. Le sac de nez encore. Énergie feu. On va se refarcir la même configuration de booster. Fantomidus. J'ai l'impression d'être à l'avant-ville. J'ai des Fantomidus partout. Ah ouais, donc là, c'est vraiment l'abus. D'accord, donc j'ai double booster. Et il y a la rare qui va changer, d'accord. Ok. Le cul de butoké, du coup, pas de surprise, c'est con. Matchupper. Belodel. Ah, un Pyroliex. Super. Un Lipoutou. Alors bon, c'est marrant. Je sais pas si c'est voulu le fait que ces boosters se ressemblent autant, mais heureusement on a quand même. Je suis très content de cette Pyrolyx. J'ai toute une collection d'évolutions et celle-là, il prendra une belle place. Alors oui, elle est déjà sortie l'illustration, hein, je l'ai déjà vue. Je ne l'ai pas, mais d'accord. Ok. Eh ben c'est bien. Alors bah du coup. On a fini tous nos petits boosters de cette édition, enfin de ce premier pack, donc Tortank X. Alors qu'est-ce qu'on a eu de beau? On a eu le Pyroli qui était pas mal, le Pikachu, bien évidemment le Tortank du pack. Je vais reprendre vite fait un peu toutes les cartes là, à l'arrache. À l'arrache. On a eu un beau Timi Holo. Le Magmar qu'on a eu en plusieurs exemplaires. En reverse. Un Fluette Holo. Et Pikachu en double donc. Donc voilà, donc c'est une ouverture. Alors moi c'est plutôt sympa. Je m'en fous de pas avoir d'ultra rare ou de rare. Je m'en fous vraiment. C'est sûr que je suis content quand il y en a. Mais là, ça me va très bien. Double Pikachu. Donc évidemment, hein, disponible pour échange. Même si bon, c'est une commune. Je regarde vite fait. Hop, ouais, c'est une commune. Donc elle doit pas être très recherchée. Mais bon, allez à l'échange. Voilà. Et ben moi je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, je vais ouvrir la box. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me donner votre avis en commentaire. Et surtout à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Allez, bonne journée à tous, bye bye!